Hello, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube Essembo TV. Je tiens à dire merci aux abonnés, merci aux fidèles, à tous ceux qui sont fidèles à la page Essembo TV depuis sa création. Merci également aux nouveaux, ravi de faire la connaissance des nouveaux. Ici actuellement, vous pouvez voir que nous avons 14 sources de chaleur, 4 sources de chaleur. On peut voir ici, 4 sources de chaleur. Mais on voit que ces 3 sources de chaleur se ressemblent. Oui, ça, on vient de faire ça nouvellement. Ça, c'est l'ancienne source de chaleur qu'on utilisait. Donc, je fais la vidéo sur ces sources de chaleur. Parce que il y a des sources de chaleur qui sont convenables pour un bon chauffage, pour un bon démarrage. Une minute, je reviens. Donc on peut voir, je viens d'envoyer la 4e source de chaleur. Maintenant, quelle remarque nous pouvons faire avec ces 5 différentes sources de chaleur? On remarque que ces sources de chaleur sont consommées. On voit que ici, la tôle qui a été utilisée s'est rouillée parce que quoi, le feu consomme le métal à l'intérieur, comme ici on peut voir. Mais la différence avec ces 3 sources de chaleur que on vient d'effectuer, vous pouvez voir ici, approchez la caméra, on peut voir ici la fermeture que nous avons fabriquée. Lorsqu'on vient à l'intérieur, on peut bien approcher la caméra ici à l'intérieur pour regarder, on peut voir ici. Nous avons fait l'ouverture ici pour que la chaleur puisse sortir. 3 ouvertures. On peut voir 1, 2, 3. 3 ouvertures de canalisation pour pouvoir pour que la chaleur puisse s'échapper. On voit ici d'autres personnes vont se poser la question pourquoi nous avons laissé ça. C'est normal parce que lorsque la chaleur va sortir, ça sera perpendiculaire, ça va sortir de façon parallèle au sol, comme cela. Ça va aller comme cela. Donc, les poussins seront bien servis en chaleur. Donc, je vous conseille, pour ceux qui veulent faire ce type de sous-sol de chaleur ou qui optent pour un fourneau pour le chauffage, je vous conseille ces 3 sous de chaleur, ces 3 fourneaux qui sont vraiment adaptables, sont adéquates pour un bon démarrage. Ok, donc comme je le disais, nous avons 5 sources de chaleur. Nous avons 5 sources de chaleur. On voit ici que le feu consomme le métal à l'intérieur. Voilà pourquoi c'est rouillé. Donc on voit ces trois nouveaux fourneaux. C'est ce qui est mieux pratique, mieux adaptable. Ici, la chaleur se libère bien. Donc, s'il y a des sources de chaleur à conseiller, c'est ce que vous voyez là. Je tiens à vous dire que c'est du meilleur tôle. C'est du tôle Galva. Merci de vous abonner et de partager les vidéos. C'était Abdou Rami Semassi, votre promoteur de page YouTube. Dans le domaine de l'agriculture.
Comme on peut le voir ici, on voit un sac de soja de 50 kg, origine Argentine. Le soja est riche en protéines. Hello, j'espère que vous allez bien. Salut les abonnés. Salut les nouveaux. Salut à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Merci infiniment à tout le monde. Ravi de faire la connaissance des nouveaux. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les matières premières, quelques matières premières et intrants utilisés en alimentation de volaille, dans la fabrication de l'aliment de volaille. Vous pouvez voir ici le soja, ce qui est en noir, c'est le coquillage. Vous pouvez voir ici le stock de maïs. Ça, c'est le stock de maïs que vous voyez ici, voilà, décortiqué déjà à la machine. C'est pour la présentation, hein. C'est, vous voyez le soja ici qui renverse. Ça, c'est le soja. La couleur jaune, c'est le soja. Là, vous pouvez voir le coquillage que je présente. Voilà, c'est le coquillage. Ça ressemble à du sable parce que c'est le coquillage qu'ils ont pilé. C'est le même coquillage qu'on voit en bordure des mers. Le coquillage joue un rôle très important dans l'alimentation de volailles. Ici, on peut voir le sac de TNH Ponte. Ça, c'est l'emballage. L'emballage du TNH Ponte, le sac dans lequel le TNH Ponte arrive. Nous avons le TNH Ponte, le TNH Chair. Ce sont les mêmes couleurs, le sac c'est les mêmes couleurs. Vous pouvez voir le maïs ici qui a été décortiqué. Pour décortiquer le maïs, on tient compte de la phase de démarrage, de croissance et de finition. Donc on décortique de telle sorte que le maïs soit à la taille des sujets. Vous pouvez voir ici le tourteau de coton. Le tourteau de coton qui est également riche aussi en protéines. Ça, c'est pour vous présenter le tuto de coton. On revient ici. Vous pouvez voir le tuto de coton que je viens de verser. Merci, chers abonnés. Merci infiniment. Merci aux abonnés. Merci aux nouveaux. Merci à tous les admirateurs de SMVO TV. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Et merci à vous tous. Vraiment, merci. Car sans vous, la communauté n'est rien. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, partagez avec vos amis. Max de partage, les gars, pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos. C'était Abdou Khamis Samassi, votre ingénieur des techniques d'élevage.